Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'entreposer des objets dans une tente. Alors les tentes, vous pouvez les trouver comme ça posées au sol, comme vous voyez devant moi. Vous pouvez les voir déjà déployées au sol dans des endroits peut-être fixes, mais j'en connais pas encore. Donc si vous en connaissez des endroits fixes où il y a des tentes à tous les coups, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et vous pouvez aussi en trouver dans les coffres. Alors dès que vous avez une tente, ce que vous allez devoir faire, c'est de la déployer et ensuite de placer deux objets à l'intérieur. Donc vous la lancez à un endroit un peu safe, hein, voilà comme ceci. Ensuite, vous allez gérer les objets à l'intérieur. Donc, bien entendu, il vous faut vous équiper de l'objet que vous voulez placer à l'intérieur. Donc, vous équipez par exemple des toiles de Spider-Man. Vous appuyez sur carré et là, vous allez entreposer un objet à l'intérieur du truc. Donc là, déjà, je vais débloquer un nouvel emplacement d'entreposage. Comme ça, j'ai pu déposer mes gants de Spider-Man sans devoir utiliser un de mes deux autres objets. Donc bien entendu, je vais quand même poser un deuxième objet pour terminer le défi. Donc je vais déposer mon sniper par exemple que je ne vais pas me servir en fin de zone. Donc voilà, ensuite je peux remballer la tente ou tout simplement la laisser tomber par terre. Voilà. En fait, il faut savoir que maintenant, comme j'ai entreposé mes objets dans ma tente, la prochaine partie que j'aurai, que je ferai et que je trouverai cette tente, je pourrai récupérer mes toiles de Spider-Man dans la prochaine partie ou dans 10 parties ou dans 50 parties. Tous les objets que vous entreposez dans la tente restent en illimité. Donc voilà, quand vous aurez entreposé deux objets, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.